Docteur Jose, pour capable faire une deuxième requête de prière pour les leaders de cette église spécialement. Pendant que nous-mêmes, côté nous, prier mes bien-aimés, demander bon Dieu pour le bon nous une dimension plus élevée, ensemble avec lui, pour nous capables de sentir présence, les mêmes gens que nous avons chanté. J'ai soif de ta présence avec nous, Docteur Jose, dans une deuxième requête de prière pour les leaders. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever encore ce matin, toi qui domines au-dessus des cieux, toi dont le pouvoir est au-dessus de tout le pouvoir. Seigneur, il n'y a que toi qui conduis ton peuple et tes serviteurs. Il n'y a que toi qui peux tenir par la main pour faire avancer, pour faire progresser. Seigneur, il n'y a que toi qui peux équiper suffisamment éternel. C'est là que tu as appelé pour te servir. Nous nous approchons ces jours avec tout cela que tu as appelé au sein de cette église, oh Dieu, comme des instruments pour ta gloire, comme des instruments pour œuvrer, afin que ton œuvre aille de l'avant. Nous prions, Père, que tu étends ta main sur leur vie, que tu les fortifies,
Que tu les aides, ô Éternel, à être toujours debout pour te servir à chaque moment et à chaque instant. Seigneur mon Dieu, je prie que cette année qui a commencé soit une année exceptionnelle, soit une année de différence, soit une année où ils sont encore revêtus à nouveau par ta force et ta puissance, afin qu'avec toi ils marchent pour conduire ce peuple que tu as mis à leur charge. Éternel notre Dieu, nous savons que personne ne peut rien faire si ce n'est que par ta puissance. C'est pourquoi nous prions, Père, que la puissance de ton esprit puisse revêtir chaque leader dans cette église, afin, mon Dieu, que le don que tu as placé dans tout un chacun puisse se manifester cette année éternelle, pour que des fruits dignes de toi se manifestent dans la vie de tes enfants. Éternel, je prie en ce jour pour que ton esprit puisse amener la sagesse, puisse amener l'intelligence, puisse, ô Éternel mon Dieu, relever ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient désorientés. Je prie, mon Dieu, qu'en ces jours, tu puisses leur accorder la force pour un nouveau départ, mon Dieu, afin qu'ils ne ratent pas cette année qui vient de commencer. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ces leaders, mon Dieu, que le sang de Jésus puisse couvrir leur vie, de sorte que toute attaque de l'ennemi contre leur vie pour les détruire soit rendue nulle par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, que le sang de Jésus couvre leur âme, couvre leur esprit, couvre leur corps, couvre leur famille, afin que tous puissent être en sécurité et qu'ils vivent une vie protégée par toi-même. Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi, le diable, s'acharne contre tous ceux-là qui s'élèvent pour te servir. Je prie en ces jours éternels que leur combat devienne tes combats et que toi, tu leur accordes la victoire face à leurs adversités. Éternel, je prie que tu daignes le remplir de ta parole, que tu daignes le remplir de ta connaissance, que tu daignes leur accorder la révélation de ta personne pour qu'à leur tour, ils puissent communiquer ce qu'ils ont reçu de toi. Éternel, je prie que tu pourvoies à leurs besoins dans toutes les dimensions, afin qu'ils soient comblés de joie pour te servir convenablement. Seigneur mon Dieu, accorde-leur la force, accorde-leur la paix, accorde-leur la joie, afin que leur travail pour toi cette année soit exceptionnel. Nous te glorifions, Seigneur, toi qui es fidèle. Nous te bénissons, Père, toi qui entends nos prières. Nous te célébrons, toi qui agis. Et nous croyons, Père, que tu vas agir et que tu vas établir ta différence cette année. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. À un moment, ça nous fait place avec pasteur dans les annonces et présentations des visiteurs. Encore une fois, moi dis bonne année à tout frère Sonio qui nous patrouille au préalable. 31 décembre, donc nous disons bonne année et que le Seigneur est capable de couvrir durant l'année 2016 et capable de garder en santé et capable de remplir au fond de prospérité. Donc encore une fois, bonne année. Et ce matin, nous, avant d'aller plus loin, nous voulons accueillir nos amis visiteurs qui visitent pour la première fois, frère Oli. Nos visiteurs qui visitent pour la première fois, nous t'arrêtons faire connaissance ensemble avec vous. Donc, si c'est pour la première fois, vous visitez nous, nous demandons à fond de camper, s'il vous plaît.
et pour nous capable faire connaissance ensemble avec nous. Nous connaissons nous gagne deux DEA. Nous t'aimer mais nous gagnons là encore amen. Amen, amen, amen pour la première fois et c'est bien l'autre monde encore visité pour la première fois. Donc si c'est pour la première fois vous visitez nous, n'a pas sorti carte à vous même quand on va écrire nom, adresse ou numéro de téléphone ou va la gueule la basket offrant. Lorsque n'a ramassé offrant, n'a bon petit brochure qui parlait un peu de nous-mêmes aussi. Donc on va voir sur qui ça nous camper par Boïsia, rien d'autre que la parole de Dieu. Donc nous souhaitons bienvenue parmi nous et l'église, la première église haïtienne du sud de la Floride, voilà, accueille à la manière de la première église baptiste haïtienne du sud de la Floride. L'église. Merci. Merci. Nous bon un morceau merci, même pas un gros merci parce que c'est pas comme ça nous qu'on accueille en amis qui visitent nous pour la première. Un peu plus fort. Plus fort. On peut sentir ça. Que nous comptons là. On a fait un connaît. N'importe quel est au senti le désir pour venir adorer le CS si on a ou non. Donc on ne peut pas en suspendre venir adorer ensemble avec nous. Et bon Dieu, lui-même va faire en grâce de ce que tu penses à nous-mêmes. Nous gagnons en les 10 premiers jours de l'année, côté nous prenons, nous mettons la part pour le CR côté nous jeûner. Et de 6h du matin pour 6h du soir. Nous pas mandons pour venir de 6h du matin pour 6h du soir. Donc si toutefois c'est dans matin bonnet, 6h du matin, moi là, qu'importe garçon qui est capable là ensemble avec nous. Les 6h du matin, c'est garçon seulement nous prenons, nous pas prendre fille. Donc fille qui vient à 9h pour 10h30. Et jusqu'à 6h de l'après-midi. Donc, nous faisons sur élève. Donc, qu'importe l'un dans la journée, dans le jour off, donc, pour capable faire ça. Mais nous tous, nous avons jeûné ensemble pour 10 jours. Comment capable jeûner, même soit le travail, ou capable jeûner. Donc, restez avec un esprit de prière. Sur mes viandes, pas manger viande. Si vraiment bagaille, pas faire. Donc, mettez-la pas dans ces 10 jours pour capable passer du temps avec le Seigneur. Donc, si vous voulez venir Boïsien, very well. Donc, vous voulez rester la caille autour pour jeûner, vous capable faire le véruel, mais en nous rencontrer l'esprit nous ensemble pour nous capable aller devant le Seigneur. Donc, ce n'est pas moi-même qui me choisis de faire ça, c'est le Seigneur même qui t'a inspiré au cours de la nuit pour me capable de demander ces 10 jours de prière pour l'église par bon ici. Pour après ces 10 jours de prière, on a commencé immédiatement avec une classe de formation chrétienne et évangélique. Donc, nous pas là apprendre à évangéliser, les gens qui besoin apprendre comment pour évangéliser. Nous avons une classe là immédiatement. Nous avons dit dans la deuxième semaine du mois de janvier, nous avons commencé avec elle. Fin deuxième semaine du mois de janvier, nous avons commencé avec lui. Donc, formation chrétienne et aussi classe d'évangélisation. Et puis, nous avons une réunion des membres du comité de l'église en dimanche si Dieu veut après service. Immédiatement après service, nous avons une réunion. Et troisième dimanche, de ce mois, donc nous avons une réunion des membres de l'église. Nous avons tout annoncé pour nous-mêmes que le CR bénit nous. Et avec un membre du comité de l'église, nous avons chaque recevoir trois feuilles de papier comme ça. Et aussi, frère Germain a passé à nous-mêmes un schedule pour le mois de janvier. Donc, pas quitter le sous-banc, s'il vous plaît, pas oublier. Gardez-le et si toutefois, vous n'avez pas qu'à là. Fais-nous connaître, pas fais-nous connaître à la dernière minute. Que bon Dieu bénisse. Moi, je manque d'oublier. On a demandé avec Sœur Magali. Combien de monde a fêté fête pour le mois de janvier? Comité culturel, fait de voir. C'est Magali, vient chanter pour le monde qui a fêté fête. Si vous avez fêté fête, faut-il camper et puis après Chita. Faut-il camper. Janvier, mois de janvier, mois de janvier, mois de janvier. Faut-il camper. Non, tant faut-il camper, retirer tes camper toujours pour capable ou pour capable passer ça le mois de janvier. Combien de monde encore qui a fêté fête pour le mois de janvier? Mois de janvier, mois de janvier. Amen. Mois de janvier. All right. Donc, nous mettons Chita. Qu'on y a tout l'autre monde qui pas fêté fête pour mois de janvier faut camper s'il vous plaît. All right. Nous parlons suivre Sœur Magali qui va chanter pour monde qui a fait. A pas de monde qui pas fêté fête dans janvier côté Chita.
On nous fait un petit camp et tout le monde n'est pas fêté, fêté dans le mois de janvier. Aïe, c'est Magali à congé. Comme pasteur qui a cité tout nous, moi je n'ai pas de liste là même pour citer nous, nous connaissons déjà, nous avons seulement aidé à chanter Happy Birthday pour nous ensemble avec nous. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. God bless you, merci. Pendant nous prenons tant de chorales là, nous prenons faire place ensemble avec Maestro. Et c'est la chorale là qui va bénir nous dans un morceau en un moment ça. Pendant que y a préparé, on nous applaudit le Seigneur pour vous. Amen.
Mes bien-aimés, pendant y'a y'a pas le chita, amen. Applaudis pour la gloire de Dieu. Saint-Germita, amen. Maestro, vous voulez faire nous connaître, nous pas de répétition ni demain ni samedi. Et la fait nous connaître qui l'un a bien répétition. Amen. Applaudis une dernière fois. Amen. Amen. Bon Dieu avec nous. Nous avons demandé pour officier de passer par devant. Nous qui responsable offrande de passer devant. Pendant que c'est Annie t'a avancé pour chanter un morceau pour nous et puis la prier sur le fond dans la gloire de Dieu. Le Père, papa, nous qui sommes dans le ciel là, Seigneur. Nous nous remercions pour ce fait et ce continue de faire. Malgré nous que dans toute activité, nous sommes éternels partout et ailleurs. Nous sommes toujours avec nous. Qu'un bien nous sauvegarde nous. Ce n'est pas bon, nous plus bon, c'est éternel parce que l'autre, qu'il n'y a pas qu'à mouvementer, quoi, ou bien qu'à glacer. Gain, c'est éternel qui est minuit. Dans 2016, non, c'est éternel, mais qui peut arriver, ouais, vous n'avez pas dit. Gain qui n'en mort, c'est éternel. Gain tellement yo fêté, yo bré, yo sou, yo accidenté la vie, yo fini.
gen ki suicide tèt yo se Eternel, men nou menm jiski sou sekoure nou. Malgré se Eternel eta sante nou, malgré jan nou ye devan se Eternel ou poteje nou. Jou mersi pou son fè, y sou ap kontinye fè. Se Eternel, ede pou mou kapap bénis se Eternel. Avèk sa, ou ba nou bon Dieu. Paske ou di, l'ajan avèk lò apatien ou menm se Eternel, e nou deja kont sa. Mais sous l'Éternel, ça nous vient porter baoua, c'est comme si c'est souhait nous, c'est sans nous. C'est sorti par nous opportunité pour nous te faire, c'est Éternel. Dans le moment où nous t'accouillons pas tout et ailleurs, c'est Éternel pour nous parler un grave avec vous. Parce que le remerciement pour vous-même, c'est Éternel, pas t'es capable de 10% seulement, c'est Éternel. Mais sous les papa, malgré des fois nous volons, mon Dieu, nous avons toujours un pardonnable pour nous, c'est Éternel. Nous te remercions pour ton fait, et sois continué fait. Dis qu'un plus bénédiction pour mon cabal au lieu de mon cap recevoir c'est Éternel et nous tout que ça n'a pas là c'est Éternel faire les capables de servir dans l'œuvre et pas tout c'est Éternel mon cap diriger c'est Éternel pour capable de pour papa et tout parce que me connaissez Éternel va pas bénir si on pas un travail Dieu que j'ai un travail si on pas capable c'est Éternel des activités c'est Éternel rapio ça veut qu'un business c'est Éternel bénir c'est Éternel. Déjà qu'on est que nous chaque qui l'a c'est Éternel, nous constat certain. Je vous remercie pour ce fait, soit pour nous faire. À toi seul qui vis au siècle des siècles. Amen. Et vous chantez, chantez, je vais dire bon Dieu merci pour ça le fait, ça l'a continué faire. Et vous voulez dire merci tout pour moi, année lui augmenter dans la vie, moi. Parce que hier c'était fête, moi. Je dis bon Dieu merci pour ça. Malgré pas dormir, malgré la couille, pas tout ailleurs, l'Éternel toujours aidé. Attention, je vais monter dans une condition à une autre grâce. Il y a des gens qui ont 24 heures de temps à dormir. Attention, nous ne sommes pas capables. Il y a une position normale. Mais si les gens nous fatiguent comme nous, l'Éternel béni, nous sommes grâce. C'est plus grand bien, bon Dieu, capable de faire. Nous disons Dieu merci pour chaque monde qui a fait des fêtes là. Chance à ce pour nous. Chaque monde qui a un problème. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu gloire. Partout les saints glorifiés, et les inspirés, la louange, plus belle que le chant des anges. Bye.
Dieu merci. N'a pas invité l'assemblée à camper avec nous dans quelques minutes pour remettre pasteur. On va pouvoir chanter espérance avec nous dans Réveillons-nous dans section créole là numéro 36 à la gloire de Dieu. Je demande tout le monde battre mais yo adorer chanter sans façon pour dire bon Dieu merci. Faut que moi di ou qui côté Christ est bon. Seulement moi, ouais, la gloire.
Pasteur qui pourra le prier et puis il a tout présenté nous. Messager à la gloire de Dieu. Merci. Nous disons Dieu merci pour la chorale de l'église qui chante très bien et qui commence fort et fort et vous commencez à nous réunir. Donc, nous avons demandé de nous réunir davantage pour que la chorale soit capable de chanter la gloire de Dieu en plein. Et nous disons merci à la présence des frères et sœurs qui visitent pour la première fois. Nous bénissons notre Dieu pour ça. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint. Elohim El Shaddai. Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion. Nous te disons merci Seigneur Dieu pour tes offres. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce infinie envers nous. Oui Seigneur Jésus, encore une fois nous disons merci du fait que vous rendez possible pour nous capables présents dans cette salle, pour nous capables de gloire, l'orange journée que vous même seul mérité. Dieu d'amour, dans le moment ça, nous avons demandé capable de décharger notre frère de tout esprit mal et de tout esprit qui battait ou même, ou capable de remplir avec esprit pauvre, ou capable de prêcher un message vibrant pour nous ce matin, Seigneur Dieu. Oh, le premier dimanche de l'année, que nous capables de sentir, Seigneur Dieu, nous avons besoin plus et plus d'avantages dans notre vie. Dieu Saint, nous avons demandé aussi, on va bénir la famille du côté de la République démocratique du Congo. On va bénir la famille, on va bénir l'église là-bas, Seigneur Jésus. Et on va bénir, Seigneur Dieu, tout ça qu'il a montré comme à travers North Carolina et tous les États-Unis côté le passé, Seigneur Dieu. Oh Dieu d'amour, avec les touchés, Seigneur Dieu. Et nous autres aussi, Seigneur Dieu, préparez nos cœurs pour nous, Seigneur Jésus, pour nous recevoir la nourriture spirituelle qui est capable de faire nous du bien et capable d'aider nous à résister contre les rires du diable. Avec nous, Seigneur Dieu, ce matin, voyez des anges tendez avec nous. Voyez des anges encouragez nous. Pas quitter l'esprit, nous a vacillé, Seigneur Dieu, avec autre chose que ta parole, Seigneur Dieu, ce matin. Bénis-nous. Nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Et c'est béni, mon Dieu, béni nous, mon Dieu, ouais, que nous besoin la parole là, hein, de la part des pasteurs juste pendant deux dimanches matin. Je fais arrangement pour lui pour le prêcher dans d'autres églises. Toutes les églises, ça serait au besoin de parler de la matin. Nous même merci de besoin de la matin. Si nous besoin de la matin, en campé, encore une fois, pour nous recevoir l'homme de Dieu, le docteur Joseph Boukassa. C'est la volonté de Dieu qui va vous.
ses bontés. Je crois que chacun de nous apprécie les bontés de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Amen. Oh, vos amens sont très faibles ce matin. Est-ce que vous appréciez les bontés de Dieu? Est-ce que nous apprécions les bontés de Dieu ici? Amen. Oui, bien aimé, il faut apprécier cela. Ce n'est pas un hasard que tu puisses te retrouver dans cette année. Ce que Dieu n'avait pas voulu voir dans cette année, ils sont bien sûr morts. Ils ne sont pas avec nous. Dieu te fait grâce d'être debout. Il faut apprécier cela. Je bénis encore une fois de plus le Seigneur. I bless the name of the Lord once again. Pour le temps qu'il me donne ici. For the time that he is giving me. Je crois que j'avais vraiment fini de prêcher ici. I don't think I'm going to be finished preaching here. Mais je trouve que le Saint-Esprit n'avait pas encore fini avec moi de prêcher ici, quoi. It seems like the Holy Spirit doesn't finish with me yet to preach here. Juste quand je me réveillais ce matin, je ne savais pas que j'allais encore prêcher ici. Until I wake up this morning, I didn't know I was going to preach here. Je pensais que j'allais prêcher quelque part autre avant de partir demain matin. To preach somewhere else before I leave. Mais je crois vraiment que j'étais venu pour quelqu'un ici, donc. I think the Lord brought me back here for somebody. Si j'étais ici en Floride vers la fin de cette année, le début c'était pour quelqu'un dans cette église. Tu vois que c'est de ton voisin que je parle, parce que c'est lui qui dit amen, c'est pour lui que j'étais venu. Oui, c'est comme ça que Dieu organise les choses. Je bénis Dieu pour le pasteur Brutus. Dans la logique des choses, il faut toujours que le pasteur de l'église prêche le dernier dimanche de l'année et le premier dimanche de l'année. Mais s'il accepte de céder sa chair comme ça, ça veut dire qu'il est vraiment, l'ami du Saint-Esprit. Il écoute beaucoup le Saint-Esprit. Il est aussi gentil. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Il est vraiment gentil. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit m'avait réveillé. Bon, j'ai médité ma méditation personnelle la nuit avant de dormir. Last night, I couldn't sleep. Et puis, vers 4h30, le sommeil s'est coupé. J'ai commencé à prier. Puis, je me suis mis à la table pour reméditer encore le chapitre ici que je vais partager avec vous. Je suis très convaincu que si ce n'est pas pour toi, if it's not for you, vraiment c'est pour ton voisin. It's for your neighbor. Mais si ce n'est pas pour ton voisin, if it's not for il faut your retenir neighbor, ça, aller dire ça à quelqu'un qui est à la maison, c'est pour lui. At home, it is for him. C'est le chapitre 17, the chapter 17 de 1 Samuel. From Samuel 1. Chapitre 17 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapter 17. Je vais lire quelques versets. I'm going to read a few verses. Mais tout le chapitre est intéressant. But all the chapters is very on fera allusion à tout ça, mais je vais lire quelques versets so pour gagner le temps. To all that, but à partir du premier verset, on a écrit ceci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Ephes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rangèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 cycles de reins.
Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Père, je te remercie pour ces jours. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole que tu veux communiquer à tes enfants en ce premier dimanche de l'année. Merci parce que tu veux les conduire quelque part. Tu veux les armer d'une pensée pour affronter cette année et remporter des victoires pour la gloire de ton nom. Nous soumettons, Père, toutes choses à ton autorité et nous disons que nous avons besoin de ton esprit, de sagesse et d'intelligence pour nous communiquer ta pensée en ce jour. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que pour tous ceux-là qui ont déjà fait quelques jours dans le Seigneur, ça, c'est parmi les passages qui sont plus courants, beaucoup étudiés à l'école de dimanche. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath et de David. En fait, ce ne sont pas des passages qu'on peut vouloir utiliser pour prêcher parce qu'on sait que vraiment ça c'est connu de tous quoi. C'est connu vraiment. C'est connu. Mais oubliez tout ce que vous connaissez de ça. Je veux que vous oubliez tout ce que vous connaissez de ça. Pour écouter ce que je vais vous dire à ce sujet. Nous savons bien qu'Israël était entouré de ses ennemis. We know that Israel was Israël était un peuple, jusqu'au même aujourd'hui, environné de ses ennemis. Around him was his enemy. Et Israël vit au milieu de ses ennemis. And Israel was in the center of his enemies. Et vivait toujours au milieu de ses ennemis. Live always in the center of his et enemies. Dieu n'a jamais trouvé une autre solution pour eux. God never found another solution for them. Il n'a jamais voulu le prendre et le mettre ailleurs pour dire: je vous mets à l'endroit où vous devez être en sécurité, loin de vos ennemis. God never had the tendency of putting them somewhere else that they don't have any enemies. Et à cette époque, ils étaient encore entourés de leurs ennemis. And this, at the time they were, c'est comme ça qu'ils allaient de guerre en guerre, de bataille en bataille. Quand ils finissaient avec celui-ci, ils commençaient avec l'autre. Quand l'autre finissait, c'est l'autre qui l'attaquait. C'est pour dire, bien aimé, que la vie que nous avons n'est pas une vie de cadeaux. Ne vous attendez pas que cette année qui commence vous amène des cadeaux. Parce que c'est là le problème de beaucoup. Ils croient quand l'année commence, on dit bonne et heureuse année. Ça veut dire qu'on vous amène le bonheur comme cadeau. On vous amène une vie heureuse comme cadeau. Tout va commencer à rouler comme sur des roulettes. Il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est là que tout
Comment ça n'est pas marché dans nos têtes? And that why sometimes quand demain les situations commencent, on se dit mais Seigneur, on avait déclaré, on avait proclamé quand l'année a commencé, on a fait des prières, mais est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Pray, but are you here or you are not here? Mais quand nous célébrons Dieu, quand nous les célébrons, quand nous les glorifions, when we glorify the Lord, et quand Dieu nous promet des choses qu'il va réaliser. And when God promises us, c'est à ce moment-là que le diable s'élève aussi. That's when the devil. Il faut savoir comme nous avons commencé l'année, le diable a commencé aussi l'année. Et les démons ont aussi commencé l'année. The devil start also. Ne vous trompez pas, les démons ne sont pas encore morts, le diable n'est pas encore mort. The devil is not dead yet. Il vit et il se promène tranquillement. Getting whole as. Et Dieu lui-même ne l'a pas encore emprisonné. That, God doesn't, et le temps de l'emprisonner n'est pas encore venu. The time for God to put c'est comme ça qu'il travaille. That's how he works. Mais j'aime dire ceci. I'm saying that. Le diable the devil, est laissé en activité. Avec raison. With reason. Dieu l'a laissé en activité avec raison. For a reason. Parce que s'il n'est pas en activité, because if he's not, on va penser que nous on a un Dieu mort. We're going to take that on va penser que nous on a un Dieu faible. We are et on va penser que nous-mêmes nous sommes faibles. And we will, c'est pourquoi we lui doit encore être là. Pour que nous puissions savoir que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout pouvoir, qui est au-dessus de toute grâce. And who's over et en ce jour, and on this day, Israël était en combat. Israël was in combat. Saül était là. Saül was there. Et toute l'armée était là. And the whole army was there. Ma Bible que je viens de lire, my Bible that I read, me dit que ces gens étaient de l'autre côté de la montagne. These people were on the other side. Et les autres étaient aussi de l'autre côté. Somewhere. Et il y avait une vallée au milieu. And there were a valley and they mais en ce moment, at this time, je ne sais pas qui avait choisi cette stratégie de guerre. I don't know who chose that strategy. Afin quand tu as guerre, on doit se battre tous. Mais je crois que les Philistins everyone étaient à la base de ces choix. I think the Philistine was at the parce qu'ils avaient un candidat. Because they have a candidate qui était en mesure de battre n'importe qui. That was able to beat everybody. Et j'imagine, je pense, qu'ils ont fait une étude sur Israël. They studied Israel pour savoir qui était l'homme le plus fort et le plus jeune. Who was the most mighty and et à cette époque, and at this time, c'est Saül qui était l'homme le plus fort et le plus jeune d'Israël. The stronger man. Mais selon ce que nous venons de lire, Saül était là. Saül was there. Et son armée était là. His army was there. Il se levait chaque matin. He's stand up every morning. Et il campait. J'ai retenu ce vocabulaire que vous dites ici. I'm going c'est to parmi les mots que je vais partir avec. Camper. Ça veut dire levez-vous, c'est ça, non? That's not the vocabulary for you to stand. C'est ce que j'ai retenu ici. That's what le vocabulaire que je vais partir avec. I keep in your vocabulary. Quand je vais aller au Congo, je vais dire, allez, campez. Campez. That's what I keep from your vocabulary. Alors, il campait. Aussi en français, ça veut dire, il prenait position. They took position. That's what that means in French. Chaque jour. Every day. Il campait de l'autre côté. They stood from the other side. Ils poussaient des cris de guerre. They push, mais personne n'allait se battre. Of war, the cry, but nobody can go and fight with c'est them. Parfois ça le problème. Sometimes, quand vous allez dans plusieurs églises, that's, what is vous allez trouver en ce moment when you go qu'on leur a donné la parole de l'année, they give the word of la the vision year, de l'année, the vision of la the pensée year, de l'année. The tech mais vous allez the trouver year qu'ils ont ces pensées-là dans leur poche. You're going to find that they have that thought and the ce sont des pensées qui n'exécutent pas. Some thinking that not execute. C'est comme juste des slogans. Just like some slogans. Nous avions un président, un défunt président, et notre grand dictateur qu'on a appelé Mobutu. We have a c'était parmi les grands dictateurs d'Afrique. We call Mobutu. Il y avait des slogans. One in Africa. Quand il se mettait, il avait dit nye nye nye. When he come, they say nye nye nye. Ça veut dire nye nye, il faut rester tranquille. Nye nye nye. Laissez tranquille, nye nye nye.
live alone. Tout va changer, tout doit changer. Everything go to quand on vous dit tout va changer, tout doit changer, alors ça change dans le sens négatif. That means in the negative sense. Les gens restent impliés. Les routes sont en train de se détruire. Ça ne change jamais pour le progrès, mais ça change pour la destruction. Mais ça ne doit pas être comme ça dans l'église. Quand on se lève, on nous donne une parole. Ça doit être une parole que nous devons exécuter. Must a word to execute. Mais ces gens se levaient chaque matin. But these, on dit qu'ils poussaient des cris de guerre. Every morning, mais personne n'allait pour se battre. Personne n'avançait. Nobody advanced. Il y avait de l'autre côté. Il y avait de l'autre côté Goliath. There were on the other side of Goliath. Qui lui sortait chaque matin. Every morning. Il injuriait Israël. La Bible dit il injuriait Israël. Persécuté Israël. Il leur disait. He said to sortez-moi quelqu'un. Let somebody. Et nous allons nous battre. Come back. S'il me bat, nous devenons des esclaves. If I fight me, si je le bats, vous devenez des esclaves. If I fought you, you're going to be slave. Il dit, je lance un défi. I said, I put. Je voudrais souligner ces mots. Il lance un défi. They challenge them. La vie que nous avons à vivre. The life that we are. C'est un défi. It is a challenge. Que nous devons relever. That we must pick up. Chaque jour que Dieu te donne. Every day that est God un défi you, que tu dois relever. It must a. Si tu ne sais pas que la vie est un défi. If you don't take the tu vas commencer à pleurer tous les jours. You're going to, tu vas commencer à te plaindre tous les jours. You're going to be, et personne ne fera rien pour nobody toi. Nobody will do nothing for you. Les gens vont te douter. Ils vont savoir que toi tu te plains toujours. Mais il n'y aura aucune solution pour toi. Mais toi tu dois savoir que c'est toi qui dois t'élever pour relever les défis de ta vie et de la vie de ceux qui t'entourent. Il dit, je lance un défi que quelqu'un se lève. Cette année c'est un défi qui t'est lancé encore. This year, it's a challenge that comes to you. Cette année qui a commencé, c'est un défi. This year that start, it's a challenge. Aujourd'hui, c'est déjà les trois. Oui. Ça veut dire que le mois de janvier est en train de se terminer. We see that the month of January is going to finish. Vous allez voir que bientôt nous serons au mois de février. Ça veut dire really que si on ne sait pas saisir les choses, if we don't, ça va passer et ça va passer et ça va être la même chose. Pass, et à la fin de l'année, on va dire, Seigneur, toi-même tu sais. Et le Seigneur dit, je ne sais rien. The Lord going to say, I don't know nothing, madam. Je lance un défi que quelqu'un sort. Put a challenge out there. Ça veut dire, for someone to comme come la out, Bible dit, that means Dieu a besoin toujours d'un homme qui se lève. Dieu ne compte pas sur le grand nombre, mais Dieu a toujours besoin d'un homme qui se lève. Parce que de l'autre côté, il y a déjà un homme qui se lève. Dans cette église, Dieu a besoin d'un homme qui se lève. Dans ta famille, Dieu a besoin d'un homme qui se lève. Et je crois que même en Haïti, on a besoin d'un homme qui se lève. Il faut qu'un homme se lève. Il faut qu'un homme se lève. There must be mais a man Israël that ne se levait pas. But Israel doesn't not stand. De l'autre côté, Goliath se levait. On the other side. Mais du côté d'Israël, personne ne se levait. And the Israel side, nobody. Non, mon frère, non, ma soeur. Ça ne peut pas être comme ça. Dans cette église. In this church. Un homme doit se lever. A man must stand. Je crois que les femmes, c'est les femmes qui doivent se lever parce que les amis des hommes là me découragent. Une femme doit se lever dans cette église. Some men keep standing up, you know that. Moi, je crois qu'une femme, une femme doit se lever dans cette église. I say a lady must stand in this church. Le 31, le pasteur Boutique disait au sujet de résolution. On the 31st, Pasteur Boutique give some resolution. Vous n'étiez pas là, non. Il parlait de résolution. Quelle décision tu as pris? A lot of resolution. What resolution that you take? Pour cette année. For this year. Pour Dieu. For God.
Il a cité entre autres choses, les choses que les gens n'aiment pas. Commencer à donner sa dîme régulièrement, par exemple. Prendre cette décision. To start with somebody you probably don't like. To start with your tithe that you don't like. Is that a resolution? Aimer Dieu plus qu'avant. Aime God. C'est sanctifié davantage. Before, it's sanctified every day. Une résolution. Quand il y a quelque chose qui dit, on se décide de s'élever. Decide to stand. Bien aimé, mais cette situation a duré 40 jours. This situation lasts 40 days. Goliath s'est levé chaque matin. Goliath stand. Injurié. Every morning. And, et personne ne s'est levé. To the Israel people, il rentrait. Nobody stood. Le soir, il venait encore. And went back. Il injurié. He started cursing them. Pour nous, en Afrique, on prend souvent la cure. On a la malaria en Afrique. Quand on te prescrit la cure de malaria, tu prends matin, soir. When there is matin, soir. Donc, ils avaient la cure des injures. Matin, soir. Matin, injure. Soir, injure. Matin, injure. Soir, injure. 40 jours. Et personne ne s'est levé. And nobody stood. Et Goliath était déjà sûr. Goliath que maintenant c'est fini. Knew that ces gens vont se rendre et nous allons les prendre. They're going to go back. Mais quand vous voyez dans le verset qui a suivi, when you see in the le verset 12, verse, on dit or. They say or. Ça veut dire pendant qu'il injuriait, while they were cursing, il y avait quelqu'un. There was somebody. Pendant qu'il s'est levé. While il y stood, avait quelqu'un. There was somebody. Mais ce quelqu'un n'était pas là. But that one was il était not absent. He was absent. Mais je ne veux pas que ce soit l'état ce matin. Je veux que ce quelqu'un soit présent ici. J'ai dit, je veux que ce quelqu'un soit présent. You must be present. Parce que ce jour-là, because pendant qu'il est injurié, that day while he was cursing, la Bible dit, oh, the Bible said, oh, David, le fils, then David the son, le fils des sons existait. Donc quand vous dites, on dit, or David, c'est or était David, fils de cet enfancier de Bethléem, de Juda. One from Juda. On commence à expliquer David. Oui, c'est trop brusque. To explain David. Lui lançait les défis. Mais le passage se coupe. On dit, oh, c'est quoi pour dire, pendant qu'il est injurié, que personne ne s'est levé, que tout le monde le craignait, il y avait un fils de Bethléem qui existait déjà, qui était déjà en vie, qui pouvait changer la situation. Cet homme existait déjà. Quand le diable lance le défi, quand les ennemis de Dieu lancent le défi, il pense qu'il n'y a personne qui peut lui faire la tête. Cependant toi, cependant toi. Si j'étais au Congo, quelqu'un allait se lever et dire moi. C'est ce que je n'ai pas en Amérique. Si j'étais au Congo, déjà quelqu'un allait dire c'est moi. And Congo, somebody would say, il allait se lever et dire c'est moi. Mais vous, do that. Vous, vous êtes resté. That it's me. Ok, so, come on, awesome, stand up, awesome, it's me. Ok, si vous mangez bien qu'en Afrique, mais African. Vous êtes très faible comme si vous mangez très mal. Nous pas très faible. Comment c'est des embrouilles, so, vous êtes fatigué. So weak, it seems like you didn't eat nothing yet. Donc, pendant que Jésus est en train de dire, hein, pendant que le diable passe, while the devil passes, qu'il a fini avec ta famille, qu'il a fini avec ton église, qu'il a fini avec ta nation, or que toi, tu existes déjà. Mais lui pense que tu n'existes pas. Il pense qu'il a fini. Il pense que la victoire est déjà là pour lui. Cependant, ce n'est pas le cas. Parce que toi, tu existes déjà. You are existing already. C'est comme ça que Dieu va pousser God would push le père de David.
the father of David, pour l'envoyer au sujet de la nourriture. To send him about the, lui, il croit qu'il envoie David pour donner la nourriture. You think he send David, mais il ne sait pas que de l'autre côté, from the other Goliath side, est en train de monter le 40e jour sur le terrain. Goliath was showing the character of Joseph on the le père de David. Father appelle David. Called that. Il lui dit, je vais t'envoyer. Voir comment se portent tes frères to see qui how sont en train de se battre. Brothers, voir que ses frères ne se battent pas. Fighting. And his brother was not fighting for him. They were scared. Va voir comment tes frères qui se battent se comportent. Voir que ses frères ne se battent pas. They come, they combat how they fought. Ils sont en train d'être neutralisés par les paroles. Ils neutralisent themselves. Va les voir et donne-leur cette nourriture. Give them those nourishment. Mais le père de David ne savait pas que David n'allait pas pour la nourriture. C'est lui, l'homme de la situation. C'est lui qui va délivrer. C'est lui qui va libérer. Je crois bien aimé que tu ne sais pas peut-être pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne sais pas peut-être pourquoi Dieu t'a sauvé. Mais Dieu t'a sauvé pour une grande mission. Ta mission, c'est une mission de libération. Ta mission, c'est une mission de délivrance. Ta mission, c'est une mission pour le salut des hommes et des nations. Amen. Peut-être tu penses que tu es là. You think that you are juste here pour travailler là où tu travailles. Work where you work. Juste pour pousser ce que tu pousses, pour transporter ce que tu transportes. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a amené. Dieu a une autre mission avec toi. God has another mission with you. Parce qu'il y a des choses qui se passent dont Dieu n'est pas d'accord avec. Il a besoin d'un libérateur. Il a besoin d'un homme qui s'élève. Il a besoin d'une femme qui s'élève. Afin que la situation change. Or, David existait. Alors, c'est comme ça que quand j'essaie de monter mon film. When je vois Goliath en train de s'habiller ce jour-là. Aujourd'hui, si personne ne sort, on les prend tous. Ils sont esclaves. If David, il est en train de s'habiller. Come out, they're going to make everyone. Il s'apprête. Il met ses armures, son garde-corps devant. On him. Il descend trop sûr de lui-même. On dit aujourd'hui c'est fini. Je sais Goliath que personne ne sortira. Finished. I know nobody would come. Mais pendant qu'il montait. While he's coming David out, quittait la maison. David left his pendant qu'il avançait, David avançait. Advance. Pendant qu'il avançait, David avançait. David advance. Quand il arrive, il commence le discours, David arrive. It's start is this. Pendant que David demande à ses frères comment ça va, when il entend quelqu'un en train de jurer. Somebody that start cursing. Qu'est-ce que j'entends? Say what do I hear? Il dit quoi? What is that? Il dit nous sommes des esclaves. He said that we are slaves. Il dit qu'il va nous tuer. He said that he's going to kill us. Mais c'est pas possible. But it's not c'est possible. Qui c'est ainsi qu'on dit? Oh no, that not David est en colère en spirit saint. Well, c'est qui c'est ainsi qu'on dit? Je ne peux pas tolérer des choses comme ça. Mad. Nous nous sommes des peuples de Dieu. Nous sommes des zélés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mon frère et ma soeur, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a des choses que nous devons refuser. Dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des peuples de Dieu. Nous ne devons pas. You must not accept. Il commence à lui poser la question. C'est qui là? Question who's on that? Commence à lui expliquer. They start to tell him. Depuis que nous sommes là, since we are here, 40 jours, 40 days, il nous injurie tous les jours. He curses us every day. Tu as vu quand il s'est levé là, on a fui tous. Oh, you see when they have us, we run away. Seulement quand ils sont, nous fuyons. I saw Sony come. We le roi lui-même est caché. The king himself. Hi! Quelle situation? What pendant situation? Qu'il posait des questions, well, ses frères l'ont vu. His brother saw him. Toi, tu es ici? See you, you are here. Mm-hmm. What are you coming to do here? À qui tu as laissé les brebis? Who are, who left, toi, tu es un berger. Those are sheep.
You are berger calisier. The berger. Tu n'as rien à voir la guerre. To watch those. Tu ne connais rien de la guerre. Nothing about war. Tu viens vers ici. You don't know. Vous voyez le problème des hommes. On donne à quelqu'un une qualification. They tell about his qualification. On les condamne. They condemn. Toi, tu dois être dans la brousse. You must. Ta vie va se terminer dans la brousse. But derrière les brebis. Following la guerre ici, toi, tu n'as rien à voir. Why here you have nothing to see. Tu fais quoi ici? What are you doing here? Nous savons que tu es un orgueilleux. We know that you are a selfish man. Et David leur dit, and David, qu'est-ce que j'ai fait de mal? What do I do wrong? Informer au sujet de cet homme qui est en train de vous injurier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis, il les laisse derrière. And they left him. Il continue à poser des questions hier. S'il y a des gens qui te découragent au sujet de ce que tu veux faire, il faut les laisser derrière. Il faut continuer ton chemin. Laisse-les derrière. Les gens qui te découragent, laisse-les derrière. Ils ne sont pas les écouter. Continue. Who called them back? Ce n'est pas sa vie finale. That was not his final. Ce n'est pas sa destinée. That was not his destiny. Il a changé de camp. He changed his camp. Il a posé des questions aux autres. He asked, he left his brother. He asked his what's going on there? On a continué à lui expliquer. And they continue. La situation ici est compliquée. Ça veut dire que ces messieurs-là, il n'y a personne qui lève la main ici. That mean, this man, c'est comme ça que le roi lui-même a dit. The hand that want to come. C'est lui qui va les tuer. That home is going to kill him. Sa famille sera affranchie en Israël. His family was affranchie. Sa famille va être libre. His family is going to be free. Donc sa famille va être honorée. His family is going to be honored. Et puis le roi va lui donner sa fille comme femme. And the king was going to give him his. Mais ça c'est intéressant ça. Je vais devenir jeune du roi. Ma famille devient une famille libre. Mais ça c'est bon. The family David a sa douleur sans monter. Honor David feel something. Je dois terminer ça. I want to terminate that. C'est moi. Me. Vous savez, it's me. Il y a des choses. You know that there is something. Ça c'est pour quelqu'un dans cette église. This is for some of you. Il y a quelque chose qui va se passer quelque part. There is something that's going to happen around you. Tout le monde va être bloqué. Everybody going to be blocked. Tout le monde ne saura pas répondre à ça. Nobody going to. Tout le monde ne saura pas découvrir. Everyone. Et toi qui vas arriver. Quand tu arriveras. When you arrive. Toi qui vas réussir à ça. When you arrive. Parce que Dieu va bloquer tout le monde. Because God. Il y a que toi qui vas venir. Oh, au plan de. C'est toi qui seras gagné. Tout le monde était découragé. And someone is going to be so. When he said, "C'est pour moi." He said, "Feel that is me." Tellement il était assuré. He was assured. Les gens sont allés parler au roi. People went to tell. Il y a un garçon qui vient d'arriver là. There is a young man that arrived. Nous ne pensons pas qu'il peut faire quelque chose. We don't think that he can do anything. Mais il est tellement sérieux que. He is so serious. On a pensé comment t'en parler. On a voulu te donner l'information quoi. We want to give him the information. He's a young boy. J'ai toujours pensé, c'est moi, j'ai toujours pensé que David avait ma taille. I always think that David was the same height as me. C'est ce que je suis toujours convaincu. That's how I'm convinced. Alors on parle au roi. Le roi entend les choses. Oui, they talk to the king and the king. Amenez-le. Bring him to me. Il arrive. And he arrive. Il dit roi. Il dit king. Que personne ne puisse avoir peur dans cette affaire. Nobody can get inside and understand. Que personne ne puisse avoir peur. Moi le grand je suis caché ici. Don't be scared. Because God, roi, je te dis que personne ne puisse avoir peur. I said, kid, nobody have to be scared. Bien aimé, my beloved. En ce temps,
At this time, on a besoin de gens qui encouragent et non de gens qui découragent. We want somebody to encourage and we want somebody to encourage. À l'église, on a church, besoin de gens qui encouragent et non qui découragent. In church, there are some people that encourage people and some people discourage. Il y a des gens qui ne croient qu'au négatif. There are some negative people around you. Ça ne marchera pas. That doesn't work. C'est compliqué. It's complicated. Les gens n'ont pas d'argent. Oh, the people don't have money. Si on avait vérifié dans le compte de tout le monde, il n'y avait pas d'argent. Oh, it's just like in the cup of everyone, there's no money. Ça ne marche jamais dans ces pays. Oh, this doesn't go forward. Nous, on est à Orlando aussi depuis 35 ans. Oh, we are here since 35 years. Ce n'est pas le nombre d'années qui font quelque chose. It's not the number of the years. Le grand frère de David était là depuis longtemps, 40 jours. Mais ils n'ont rien fait. David was there so long. Ce n'est pas le nombre d'années qui font quelque chose. It's not the number of the years that do something. Il y a des gens qui sont là. Nous, on a fait 35 ans avec le Seigneur. Mais ça veut dire quoi? That's it. We have some time with tu the peux Lord. Faire même 100 ans avec le Seigneur, mais tu n'as rien fait. You are with the Lord, but you didn't do nothing. Alors, il parle au roi. He's talking mais to the king. Peur. He said, don't je vais terminer l'affaire. Je vais terminer cette affaire. I'm going to finish with that thing. Le roi lui dit, the king told him, c'est bon pour le courage. That's good for his courage. Je félicite ton courage. I felicitate your courage. Mais écoute. But listen. Ce monsieur là. This man là. This non man seulement la taille. Not just my taille. Mais c'est un homme de guerre. But he's a man of war. Ça veut dire quoi? That mean what? On l'a eu sa grossesse pendant la guerre. Sa grossesse. Il a été conçu pendant la guerre. He's becoming bigger. And the war time. Il y a des pays comme en Afrique, vous ne connaissez pas, je vous profite pour vous donner un peu there's de some country in Africa that you don't know. De géographie gratuit, hein, vous ne payez pas des minéraux, les cours I'm going to give it gratuit to you. Il y a un pays qu'on appelle l'Angola. There's a country that called l'Angola. Ce pays a passé beaucoup d'années dans la guerre. This country passed many years in beaucoup war. Beaucoup de gens d'Angola ont vécu au Congo, chez moi. Everybody, so many et ceux qui sont from, restés sur place n'ont pas étudié pour la plupart du temps. Stop in my country. Parce que tous les jours c'est les armes. Every day, donc toujours la guerre. Shooting. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont été conçus pendant la guerre, nés pendant la guerre, grandis pendant la guerre. Lui, il connaît que le bruit des armes. Il ne connaît pas les bics. They don't know nothing. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, I want to explain to you. Donc cet homme. De Goliath, c'était un homme de guerre. Conçu pendant la guerre. Il a fait les quatre pattes pendant la guerre. Il a appris à marcher pendant la guerre. C'est sa vie, c'est la guerre. His life, his c'est une bête préparée pour la guerre. Prepare him for war. Petit, regarde ma taille. Regarde ta taille. Look at moi, je me cache. Toi, tu veux aller. Look at I told you. On t'a envoûté ou quoi? I don't want to go and you want to go. Alors c'est là que David lui donne un peu une petite histoire. That's when David gave him a little peut-être story. Tu ne me connais pas bien. Said, king, maybe toi you don't tu know regardes me. Ma taille mais tu ne me connais pas. You look at my, je my suis petit dehors mais je suis grand de bas. Je suis petit dehors mais grand de bas. Et dans là je suis géant dedans. I'm a giant man. Et pour ta petite histoire ou quoi? For your history, king. Quand j'étais dans la brousse où j'étais avec les animaux, when I was with les the bêtes, animal, les brebis, with the mud, une fois l'ours est venu. L'ours ça, came, je vous donne l'histoire comment David racontait ça. I'm telling the story une how fois, David l'ours est venu. Back. The loose came. Écoute comment ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça c'est moi qui pense. Écoute comment ça vient de la Bible. Quand l'ours est venu, tu as fait quoi? Tu as couru, tu as fui. C'est moi qui dis. When the loose come, you run away. Je n'ai pas fui. Il dit non. Comme l'ours voulait prendre la brebis. Je l'ai suivi. Petit. Toi tu as suivi. The loose are what to take the. Non, je n'ai pas seulement suivi, je l'ai attrapé. No, I caught him. Et puis je l'ai tué. Non, pas seulement ça, les rois. Une autre fois, les lions aussi sont venus. Et à l'autre temps, des. Non. David, tu veux me dire quoi? David, what do you want to tu es monté sur l'arbre? Non, je ne suis pas monté sur l'arbre. Les lions ont pris la brebis. J'ai suivi les lions, j'ai déchiré sa bouche et j'ai regardé. Le roi a levé son manteau.
The king took himself. Il a mis sa ceinture David. A jacket, he put it on David. Il a pris son arme, il a donné. He put get his arm and give it to David. Bat, que Dieu soit avec toi. Go fight. May God be with you. C'est ce que j'ai dit à l'église. That's what I say to the church. Il faut marcher avec Dieu. You must walk with God. Quand vous marchez avec Dieu, when you're walking with God, vous aurez les témoignages. You will have testimony. C'est votre témoignage. It's your testimony. Qui va vous donner la force. That's going to give you the strength. David a dit. David said, si Dieu, if God m'a délivré, deliver me, des griffes de l'ours, de la gueule du lion, from the il me délivrera, de cette circoncis, de Goliath. Si l'année passée ne t'a pas tué, si 2014 ne t'a pas tué, si 2013 ne t'a pas tué, ce n'est pas 2016 qui va se tuer. Parce que la force qui t'a donné la victoire l'année passée va t'accompagner cette année et tu vas encore triompher. Le Dieu qui t'a accompagné, il t'accompagnera toujours. C'est pourquoi il faut toujours, toujours te souvenir. Tu as eu une maladie. Tu as eu une maladie. Elle ne t'a pas tué. Tu as eu des accidents. Tu n'as pas été tué. On t'a attaqué. Tu n'as pas été tué. Si on ne t'a pas tué, on ne te tuera plus jamais. Et c'est toi qui continueras ton chemin. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu vivras pour témoigner la fidélité de Dieu. Tu vivras pour témoigner la grandeur de Dieu. Tu vivras pour témoigner la puissance de Dieu. You will live oui. To testify the greatness of God. Yes, j'ai terrassé l'ours. Ils sont plus dangereux. L'ours et les lions sont plus dangereux qu'un homme. Those animals were more dangerous than men. Plus dangereux qu'un homme. More dangerous than men. Je vais les tuer. I'm going to kill him. Quand il laissait les armes de Saül, when Saul gave him il essaie de marcher, he tried to walk, il sent que ça ne va pas. He feel that doesn't fit him. Pas sa pèse et c'est long, ce géant. Those things was too heavy for him. C'est là où je dis aux enfants de Dieu. That's why I say to the men of God. Ne cherche pas à étudier les méthodes des autres, n'utilise pas les méthodes des autres. Try to study the method of others. Il faut pas suivre les autres. Don't follow others. Oh, lui fait comme ça, je dois aussi faire. Il faut pas faire ça. He do that and I must do that too. No. Va échouer. You going to be suis ta méthode avec Dieu. Follow your way, your method with God. C'est pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu. That's why you must be suis ta méthode avec Dieu. If you are with God, c'est comme ça même quand on prêche la parole. Chacun la reçoit de sa manière parce qu'il a sa directive dedans. C'est pourquoi il faut jamais suivre quelqu'un à l'église. Tu vois quelqu'un à l'église, c'est comme ça, il ne dit rien. Il ne faut pas le suivre. Lui, là, c'est stratégie. That's the strategy. Don't follow them. Vous savez, dans une église, you know, in this church, il y avait un frère. They were brother. Quand on prêche la parole, when we preach the word, il s'élève toujours, il dit, gloire à Dieu, il est merveilleux, Seigneur, il est merveilleux. Lord, he is wonderful. Alors tous les jours c'était comme ça. Every day it was like that. Alors cette église, on dit, ses frères, c'est parce qu'il n'a pas de chaussures. Il souffre tellement trop qu'il fait trop de bruit. Mais dit, frère, viens. He make too much noise. On voit que tu n'as pas de chaussures. Come. They think you don't have shoes. Prends ça, porte, habite-toi. Comme tu aimes te mettre devant souvent. Take that, take that. Mais il ne faut pas déranger les gens. Hein? Maintenant, tu as des chaussures. Nous comprenons que tu disais amen à cause de ce que tu manques. Maintenant, on a dit, bon, habille-toi bien, sois calme. Écoute la parole calmement. Nice. And put your shoes and be calm. Alors, il est venu. Il s'est dressé. Il entend la parole. La parole, c'est une épée. Ça arde. Tu ne peux pas ne pas sentir la parole. Ou tu n'es pas converti, ou tu es converti. Alors, le frère était là. Il sent que non, la parole est bonne. Et puis, il y a un moment, il dit, oh non! Prends la voix, take your shoes! Moi, Cassie! Pour le chercher! Oh non! Il a refusé les chaussures. Il refuse de tuer. Il veut dire amen à la parole. Vous voulez me bloquer dans les chaussures? Non, je dis amen. I'm going to say amen. Take your shoes. La parole, c'est elle qui va te diriger. Amen.
The word that's going to direct you. Te conduire. That the word going to conduct voilà you. Find you the way. Ça, l'église est très importante. That's what my beloved church is very important. C'est pourquoi le serviteur de Dieu comme il est là, il est très important. Of the Lord is here, he is very important. Parce qu'il doit prier. He must pray. Et il doit écouter Dieu. And he must et listen to God. Ce qu'il reçoit, ce n'est pas de lui, c'est Dieu what qui lui donne. What you receive is not from et him, it's God who gives it. Vous devez le recevoir. When he gives it to you, you must receive it. J'aime un pays en Afrique, c'est le Nigeria. Ah, Nigeria, I love that. Quand on prêche la parole là-bas. When they preach the word, tu vas pas arrêter de prêcher. You not parce que tellement c'est bon la façon dont ils sont. Because they listen to you. Ils disent amen, ils viennent là, ils te regardent, amen, prêche-moi encore. Révélation monte encore. Amen, amen. Revelation come more because they test of this word. Ils sont tellement amoureux de la parole que c'est tellement bon. They love quand the word. Quand ils sont convaincus. Oh, they are convinced. Vous voyez comme je vous prêche bien comme ça. Vous voyez when I preach you, comme je vous prêche bien là, c'est pas bon. I preach you. That's mais si good. J'étais au Congo en Afrique, les gens seraient déjà en train de donner des offrandes à Dieu pour ça. People who come and give quand on reçoit une parole, quand on reçoit une parole, when they receive some good word, they want to give something to the Lord. Yes. Oh, il faut sceller sa parole. You must seal your word. Je reviendrai pour enseigner sur ça. I will be back to teach about. Dites amen pour que je revienne de nouveau. C'est amen, so I could come back. Encore ici c'est bon. Ici c'est bon parmi vous. Je suis content vraiment parmi vous. I'm happy to be here around you. Alors c'est pourquoi j'ai envie de. Il y a des endroits où tu prêches, tu n'as plus envie de revenir. Some place I preach. Il y a des endroits où tu prêches, tu n'as plus envie de revenir. Some place you preach. Parce que les gens sont pas gentils d'abord. To come back. Ils disent pas amen comme vous. Vous dites aussi amen. You don't. They don't say amen as you say. Quand je serai à Charlotte, je vais leur dire. Vous ne dites pas amen comme les gens de l'église baptiste d'Orlando. Vous, ils vous dépassent. I say that you don't say amen de la de Orlando Church. They pass you. Orlando là-bas, ça donne envie de prêcher. That's. Je vais leur dire ça. The feeling of preach, I want to tell them aussi amen. You say amen. Mais il vous reste encore un peu de choses. Amen. Être un peu souple. And some things c'est le veut dire amen. Levez-vous dire amen. Say no. And say amen. Say no. And say amen. Yes. Say no. Dieu vous a donné ces jambes pour dire amen. You dis amen. Amen. Quand vous dites amen, ça s'accomplit aussi dans votre vie. La parole de Dieu s'accomplit dans vos vies. Merci, maintenant, c'est thank you. Sit down. Alors, il retourne les armes. I, maintenant, je dois terminer bientôt. Je vais terminer bientôt. Alors, finish. Il remet les armes. He give the arms il va dans les torrents. He went on the river. Il prend des cailloux. He took some cailloux. Some rock. Pour nous, les Africains villageois, for on attrape des petits oiseaux pour manger. African, alors, on les tue avec ce qu'on appelle lance-pierre. Oui, lance with Peter. Hein? Cibal, fils de Cibal. Lance-pierre, fils de Cibal. En créole? Ah, c'est ça que je vais retenir. Fils de Cibal. Vous allez m'écrire ça parce que je dois retenir ça pour vous. Fils de Cibal. Fils de Cibal. Il tient le fils de Cibal. Il met il prend 5 pierres pour utiliser le fils de Cibal. To use and his. Fils de Cibal. Anglais. English, comment c'est en anglais? Non, pas fils de Cibal. It's lens. Ok. Il prend son fils de Cibal. Englishman here. He took his lens. Et puis maintenant, il prend 5 pierres. He took 5 rocks. 5 pierres. 5 rocks. Wash. Trop long, guys. Ne parlez trop long. 5 wash. Fils de Cibal et 5 wash. Donc, non, you confuse. Vous êtes en train de nous confuser maintenant. Cinq wash, cinq pieds. Wow, ok, wow. Wow. Ah, vous ne retenez plus. Mais moi, j'utilise un peu de mon créole. Ok, ok. Sois souple. Fils de Cibal et 5 wash. Ah, si vous apprenez un autre mot, vous ne partirez plus. Ici. Non, vous n'allez pas camper. Vous allez... alors, il prend ça. He took his lens. Son fils il bat. His lens. Puis 5 bats. Wash. Alors, il s'élève. Maintenant, il se met sur le terrain. He stood on the ground. Il commence à venir sur le terrain. He's start to come on the ground. Mais Goliath ne comprend pas. Goliath il attend un géant. He's waiting for a big man, a pour giant se battre. Man.
to alors il voit un petit avancer. Now you see that il n'a pas les peurs. Come with no saw, but he has a lens. Ah, mais ça c'est quelle bêtise. J'attends un géant. Je vois ce petit venir. I see a little boy. Vous savez, ça complique. Quand toi tu es grand, tu vois un petit venir, tu vas te taper. Complicated. You are big and you see a little that's come in front of you. Wow. Alors c'est comme ça que Goliath dit, toi tu viens faire quoi? That's how Goliath said. Tu crois que moi je suis un oiseau? Tu crois que moi je suis un oiseau? Oh, you think that I'm a dog? Pour que tu viennes avec ton fils, Iman? To come after me with a lens? Oh! What? Mais je vais te donner aux oiseaux aujourd'hui. I'm going to give you today. Je vais te broyer. I'm going to. Je vais te donner aux oiseaux. I'm going to comment ça? Comment dit ça? Comment dit déchirer? Rip, I'm going to rip and give to the devil. David était entré dans une révélation. Was in a revelation. De voir ce qui était grand comme problème. That whatever was. Et le réduire au niveau de l'oiseau. It reduced to a little. Ça veut dire que David. That means. Commence à voir Goliath comme un oiseau. Ça, là tu sais Goliath as a. C'est comme ça. Il n'a pas cherché une arme. That's how he does. Il n'a pas cherché une épée. Il a considéré que Goliath était un oiseau. He considered Goliath as a bird. J'aimerais que tu considères le problème que tu voyais grand comme un oiseau que tu peux écraser parce que ce n'est pas grand. Because that was not big before you. C'est ça que tu rends. Tu vois grand qui devient grand. That's what you si tu considères que c'est petit, c'est petit. It's small, it is small. David a minimisé Goliath. Il l'a réduit. Il est devenu un oiseau. Il va tuer avec Siba. Pull his lance. Avec un si. With what? Il a dit, donc, il a réduit. He reduced that. Ton problème, your problem. C'est que tu as grandi le problème. Oh, it's what you see. Tu grandis le problème. Oh, cette maladie va me tuer. You say that oh, cette maladie va me tuer. This week oh, cette situation économique va me tuer. C'est toi qui l'as grandi. You are the only en fait, elle n'est pas grande. That's not big. Oh, je n'arrive pas. I would not arrive. Oh mon corps. Oh my body. C'est ça. Oh, c'est toi qui as grandi ça. If you that make that big. Amen. Amen. Nous on a fait de l'autre village quand on était enfin à pied. The village what we lead on allait d'une ville à une autre à pied. We come from a village to another. Aussi longtemps on our feet. Que tu n'es pas encore proche de la ville. Même si c'est deux jours de marche. Tu es toujours fort pour marcher. You travel 2 days. Mais quand tu t'approches. When you approach, et tu t'assois quelque part pour te reposer. And you sit tu down, sens tes jambes dire, je ne peux plus marcher. Some place to sit down. Oh, que depuis longtemps les jambes là marchent toujours. Walk, mais quand tu as mis dans ta tête, when you put in your mind, que c'est in fini, your hand, c'est comme done. Ça que l'information est partie dans le that corps. Pour dire que c'est fini. C'est toi qui dois commander les choses. You are the one pour dire que c'est petit. Pour dire que ça ne représente rien. That's pour dire que j'anéantirai that David a réduit Goliath. David réduit Goliath. C'est pourquoi quand Goliath lui disait, that's why Goliath said, je vais te tuer. I would kill je you. Vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. I would give your body to the David ne s'est battu. Il s'est aussi levé. Il lui a dit, toi, je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te couper la tête. Je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Et vous allez être dispersés devant nous aujourd'hui. Et vous allez savoir que la force n'est pas dans l'épée, ni dans les armes, mais la force est dans l'Éternel. Des armées, le Dieu d'Israël, la force n'est pas dans les dollars, la force n'est pas dans l'Amérique, la force n'est pas dans n'importe quoi, mais la force est dans l'Éternel qui marche avec toi, et c'est lui qui t'accompagnera.
is not the one that's working with me. Il ne faut pas te taire. You must il faut te lever. You il faut talk. Parler. You must quand talk. Le diable te parle, when parle lui aussi. Quand le démon te parle, parle aussi. Dis-leur que je suis le fils du roi des rois. Je suis l'héritier d'Abraham. Je suis ton héritier de Christ. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je ne serai jamais vaincu. I will never be beaten. C'est comme ça. That's how. Quand il a mis son bon. Festival. That's why when he put his Il a tiré avec son roche dedans, non? Quand il tire, je vois Goliath était comme ça. On va voir l'aventure. Parce que c'était un homme avec armure. Avec cuirasse. Il était protégé ici. Casque. Protégé là-bas. He was well protected. Là, tu vas finir. Je vais te broyer. Il était trop sûr de sa victoire. Mais Goliath so sure aussi était aussi victory. Sûr de sa victoire. Mais il ne savait pas. But David was sure of his victory. Que les roches qui étaient dedans. He did not know the on en a parlé dans la Bible. Il y a un roche qui est la pierre angulaire. Que quand Pierre, David allait tirer. Ce n'est pas n'importe quelle roche. It's not any type of rock. La pierre. It was a principle. Wow, que la pierre angulaire. That's a pointu. Wow. Oh, ce qui est pointu, ça devient une balle. Oh, que cette balle est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas un roche naturel, mais c'est un roche surnaturel. À ce moment, il parle avec une force du ciel. C'est comme ça que Goliath était tranquille. Pensait que c'est une simple roche, ou que c'était déjà une roche angulaire, mais c'était pointu. Quand les gens ont son visible, il dit, Goliath était là. Il a pointé ici. Ça arrive pas. Et Goliath se disait, c'est tombé, il fait comme ça. Goliath was going to go like that. S'il était au Congo, il dira, Waya, ça veut dire rien. It wasn't called God, it was Waya. Waya. Rien, ça veut dire rien. Rien. Nothing. Waya. Nada. Rien. Waya. Waya. Quand il fait ça comme ça, nothing. Il ne voit pas la pierre tomber. He doesn't see nothing that fell down. Mais il sent des vertiges. But he feels like he's heard a spin around. Il sent des vertiges. Spin. Il appelle son gars. Approche, je vais te dire. He call his... God with him, and he's coming. Au lieu de tomber derrière, il est tombé devant. Ça veut dire qu'il est allé dans la position d'adoration. Comme pour dire que Jésus seul est Seigneur, que l'Éternel seul est Dieu, que l'Éternel seul est roi. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être glorifié. Et il est tombé. Boum! The people cry. What? Maintenant les autres descendent en position comme ça. Better the order. Les Philistins étaient dans cette position. Les Israélites étaient dans cette position. The Israelites was in this position. Il voit le petit David en train d'avancer parce qu'il savait qu'il avait David fini l'affaire. Was approaching. Il avance. Il avance, il arrive, il bouge. Next to him, il tire son épée. Il lui coupe la tête. Il prend la tête. The head of l'épée. Parce que lui avait amené l'épée pour tuer David. Mais son épée a coupé sa tête. Ceux qui utilisent les armes contre vous, leurs armes les détruiront. Cette année, aucune arme ne te touchera. Aucune arme ne te touchera. Mais l'arme qui sera utilisée contre toi tuera celui qui la mènera. Il a pris la tête. He took the et qu'il a pris l'épée. He took le camp des Philistins ont pris fuite. Et le camp d'Israël
les a suivis. Je suis en train de voir le frère de David crier. C'est notre frère. C'est notre frère. Au Calvaire, ils l'ont critiqué. Ils ne croyaient pas en lui. Je vais te dire une chose. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont changer le langage demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont te chercher demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont te glorifier demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui vont servir à l'éternel demain. Je termine en te disant, cette année, rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Cette année, rien ne te résistera. Tu auras la victoire. Si tu marches au nom de l'Éternel, si tu crois l'Éternel, si tu te confies dans l'Éternel, tu auras la victoire. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Tu sauveras ta famille. Tu sauveras ton pays. Tu sauveras ton église. Et la gloire reviendra à l'Éternel. Lève-nous, proclamons que nous sommes des vainqueurs. Nous sommes victorieux. Nous avons vaincu. Nous dominons. Nous allons de l'avant. Nous réussissons. Nous voyons la gloire de Dieu. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. In the name of Jesus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Praise God. Hallelujah. Praise God. Merci Seigneur. Hallelujah. Amen. Sur la galère. Praise Lord. Dans un moment ça, l'affaire, le service de la cette scène rapidement. Praise Lord. Que tout le monde prenne place dans un moment ça. Et nous avons demandé avec Pasteur Guy et Pasteur et Jean-Philippe. Venez avec moi, s'il vous plaît. Et tout le monde qui prend la scène, on ne peut pas monter des scènes. Pas que si vous voulez monter des scènes, s'il vous plaît. Merci, Seigneur Dieu. Adorable Père Céleste, merci pour ce beau message. Ce message-là a préparé notre cœur afin qu'on puisse participer au service de la Sainte Seine. Afin qu'on reconnaisse, Seigneur Dieu, ce n'est pas nous qui marchons de pas nous-mêmes, mais c'est toi qui marches avec nous, Seigneur. Et si tu marches avec nous, la victoire sera à nous, Seigneur. Dieu, trois fois saint, je te demande de préparer les cœurs de tout à chacun qui va participer au service de la Sainte Seine. Oubliez nos passés, Seigneur Dieu. Pardonnez nos fautes. Pardonnez nos péchés. Pardonnez nos erreurs, Seigneur Dieu. Rends-nous pires. Rends-nous propres, Seigneur Dieu. Afin qu'on puisse mettre la main dans cette basket-là, Seigneur Jésus. Aidez-nous à comprendre ta volonté. Aidez-nous à marcher dans ta volonté. Aidez-nous, Seigneur Dieu, à rester dans ta volonté, Seigneur Dieu. Oh, Dieu d'amour. Oui, c'est ça. Car dit ton Fils, nous nous rappelons chaque jour de ta vie, de sa vie, qui est donné pour nous en un sang. Oui, son sang qui est coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous voulons toujours, Seigneur Dieu, rester prêt à toi et l'accepter toujours avec nous, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Sur la colline, écroué sur la croix, et pris pour mon épine, je te couronnerai pour me rappeler, je sais ma vie. Me rappeler ton agonie.
dit du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit le coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, je reprends, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, qui boira la coupe du Seigneur indignement, qui mange le pain indignement, qui boira la coupe indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'examine soi-même. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même. Gardez tête nous-mêmes. Qui genouille avec bon Dieu. De pas nous-mêmes. Individuellement. Et que s'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Dans le moment ça, tout le monde qui campait, qui a participé au service de la Sainte-Seine. Rentrez dans la conscience. Gardez la vie avec Jésus. Est-ce en position vraiment pour participer dans le service de cette Sainte-Seine? Est-ce que vraiment vrai? Ou on dit, vous sentez ou adéquat, ou capable de mettre main dans le basket là? Parce qu'il dit, si toutefois, vous avez péché dans la vie, ou à vivre dans le péché, ou mettez main ou la donne, la tourner au pied d'achoppement pour vous-même. Seigneur Jésus. Mando pardon. Ceci, qu'importe le monde qui est capable de visiter nous, si vous observez le Seigneur curieusement, ou marcher avec le Seigneur, ou pas mener une double vie, ou vivre droit devant mon Dieu, ou capable de participer ensemble avec nous. Mais il faudrait que vous soyez monde qui accepte Christ comme sauveur personnel et vous plongez dans l'eau du baptême, sans pouvoir être capable de participer. Donc, ce n'est pas à moi-même. Pour moi dire qui est à qui est-ce qui n'est pas capable de participer par contre la vie du fait que vous acceptez Christ, plongé dans l'eau du baptême, pas qu'on est. Donc c'est vous-même qui connaît tête et le ciel lui-même qui connaît tout. Faites attention. Dans le moment ça. Seigneur, que Dieu puissant, papa, nous dans le ciel là, nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice là, qui t'est fait sur la croix, pour émission péché, non, Seigneur. Comment ça, Seigneur, nous réconcilier par pitié, tout qui t'est accepté, Seigneur, vie sur la terre. Seigneur, on disait pour toujours participer, célébrer le mouvement ça, le service de scène ça, Seigneur, toujours paraître devant. Avec sainteté, toujours par mes démons, Seigneur, mon esprit d'adoration, pour nous connaître vous-même qui mon Dieu. Tu n'as pas fait ça jusqu'à ce que si vous retournez, nous comptons sur vos belles promesses. Nous comptons sur belles promesses sur ça. Et nous t'en prions. Pour pas à nous mettre au nom de montre-moi ton petit sombre où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sont nombreux et te tordaient pour me rappeler. Pour me rappeler ton abomination.
A dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Christ a pris le pain. Et après avoir prié, comme nous venons de faire, rendit grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons tous à la mémoire du corps de Jésus-Christ, crasé, brisé, pulvérisé sur le bois du calvaire pour la rémission de nos péchés. Mangeons tous ensemble. Merci Seigneur. Pour corps que vous acceptez, Seigneur, vous maltraitez pour pécher chacun de nous, Seigneur. Merci du fait qu'on va nos choses. Merci, mon Dieu, parce qu'on choisit nous, attirer nous par Jésus. Et on apprend nous pour nous accepter, lui, et matin nous manger corps. Merci, Seigneur. Merci pour vin qui représente le sang, Seigneur, qui est versé. T'en prie, papa, au nom de Jésus, que sans entraîne nous et capable de changer nous et faire nous rester plus, frère, et ben nos victoires. Conduis-nous au nom de Jésus qui vivra au siècle des siècles. À Golgotha, sous yon croix, son Jésus s'écoulé. Accepté, yon crucifié, pour moi t'es pas gagné. À Golgotha, sous yon croix, Jésus t'es coulé, accepté, yon crucifié, pour moi t'es pas gagné la vie. À tout cœur m'a chanté, après avoir soupé,
Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vivons tous ensemble à la mémoire du sang de Jésus-Christ versé sur le bois du calvaire pour le pardon. Car sans le sang pas couler, pas de pardon du péché. Oh, yes. Vivons ensemble. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, grand Dieu, trois fois, c'est nous te disons merci encore une fois. Pour ton Fils, Jésus, le Seul, tu l'as donné en rançon pour nos péchés. Ô Dieu d'amour, quel moyen merveilleux que tu as exercé en notre faveur pour nous montrer que ton amour est réellement un amour agapé. Oui, Dieu, nous voulons servir. Nous voulons rester fidèles à tes pieds. Nous te disons merci, mille remerciements, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester œuvre à l'obéissance de ta parole. Aide-nous à marcher digne de cette vocation. Oui, la vocation céleste en Jésus-Christ. Aide-nous à tourner nos yeux loin du mal, mais fixez nos yeux vers toi, Seigneur Dieu, car vers toi, c'est la vie. Vers toi, c'est le bonheur. Vers toi, c'est la délivrance. Vers toi, Seigneur, c'est l'espérance bénie. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Et nous voulons rester à tes pieds. Oui, à tes pieds. Toujours à tes pieds. Nous t'en prions ici. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Chaque premier dimanche du mois, nous devons bailler pour bénévoles ensemble, parler avec enveloppe blanc. Et si nous avons l'argent en poche, nous parler. Nous connaissons un fonds de secours pour capable de secourir le monde qui a besoin. Et frère Germain dit pas plus parce que grand pile manger là, pas passer dans la porte derrière, passer dans la porte devant. Pas passer dans la porte côté frère Germain hier. Hein? Passez dans votre désir. Trouvons nos fonds pour la bénédiction. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous enseigne. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Jésus, son qui j'ai passé là.
Oh, 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 oh